Je suis très content d'arriver à l'île Maurice. C'est vrai que ça fait 10 ans que j'étais venu et le fait d'améliorer énormément le record, c'est sympa aussi, oui. Top, 7h, 26 minutes, 17 secondes. Déjà le bateau, un bateau beaucoup plus puissant que le précédent bateau. Il y a le fait qu'il y ait un bon enchaînement météo aussi. Et puis peut-être le fait que le skipper ait rajeuni quelques années entre temps, je ne sais pas. Le passage de l'équateur qui était un truc important parce qu'il fallait pas perdre trop de temps. Donc ça s'est bien passé. Le passage du poteau noir s'est passé sans trop de douleur. Et après, ce qui a été super important, c'est d'arriver à attraper une dépression. J'étais pas très loin du Brésil encore, et cette dépression m'a amené quasiment jusqu'à l'île Maurice. Et ça jouait des fois à une heure près. À une heure près, la dépression se déplaçait plus vite que moi et je la perdais. Et donc ça a été un petit peu chaud à ce moment-là. Oui. Je l'ai quitté il y a deux jours et j'ai fait route plein nord, mais j'étais bien placé par rapport aux Alizés pour remonter dans l'Alizé et puis arriver ici rapidement. Quoi. Ça fait une grosse amélioration. Soit j'avais été vraiment pas rapide la dernière fois, soit j'ai été très rapide cette fois-ci.